Alors cette doublette à Monaco, c'est l'événement de l'année en doublette. Il y a un parterre de champions du monde, de champions d'Europe, de champions de France, de vainqueurs de la Marseillaise qui est assez exceptionnel. Pour moi, c'est un petit championnat du monde parce qu'il y a des nations comme le Bénin, la Thaïlande, l'Espagne, Danemark, l'équipe de France. C'est un très beau plateau, voilà, pour moi c'est un mini championnat du monde. Il n'y en a pas trop des concours comme ça, très élevés, parce qu'ils sont presque tous les meilleurs joueurs au monde. C'est comme les Masters, le Trophée des Villes, c'est que des très bons joueurs. Il est plus que particulier cet événement, parce que c'est tout simplement le doublette le plus relevé de l'année. Il y a pratiquement toute l'élite mondiale qui est réunie ici. Et puis le fait que ça soit en doublette, c'est beaucoup plus spectaculaire. Mais je suis très fier des nations étrangères qui ont fait le déplacement en principauté et qui n'ont pas hésité à convoquer leurs meilleurs joueurs. Et ensuite, le casting français est fortement représenté. Nous, on joue à la pétanque voilà, pour s'exprimer dans des enceintes comme ici à Monaco. Du public, un carré d'honneur magnifique, des terrains magnifiques. Le cadre est idyllique ici à Monaco, le boulodrome en haut d'un immeuble, vu sur la mer. Ça fait plaisir, hein. C'est clair qu'il n'y a qu'à Monaco qu'on peut voir ça. Il y a le côté agréable du séjour, mais la compétition reste la compétition. Après, quand ils sont là-dessus, il n'y a plus d'amis. Bonjour, bienvenue à Monaco, bienvenue au challenge Prince Héréditaire Jacques, bienvenue au sommet de la pétanque mondiale pour cette extraordinaire réunion de champions en doublette qui bat son plein depuis ce matin, qui va se terminer demain soir. C'est extraordinaire ce qu'on voit, c'est pas pour donner du regard sur un jeu ou sur l'autre, sur ces jeux monégasques, parce que sur chaque terrain pratiquement il y a un énorme choc de niveau mondial.